Mexico avec l'étagère. Coucou les copines et les copains. Coucou les copines et les copains. Nouveau let's play. Ils ont refait l'intro et tout. Bah oui. Je suis si heureux. Nouveau let's play après deux épisodes chaotiques d'Adibou. C'était terrible, Adibou. Oui. C'était assez... En fait, le truc sur Adibou, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. C'était juste un peu mou du cul tout le temps. Ce qui fait que bah, les épisodes, je pense, il y en a deux et c'est tout. Hein, c'est le maximum qu'on peut faire. Ah, complètement. Ah, complètement. Et encore, tu vois, je pense que c'est un petit peu poussé le truc. Là, Spyro, c'est vraiment le jeu de quand j'étais petit. Pas moi. Celui-là, le Spyro 2, j'étais petit, j'avais un PS1. Pas moi. Très heureux. Pas moi. Rien à foutre, moi, de Spyro. C'est pas très sympa. J'en ai rien à foutre. Non, c'est pas vrai. J'en ai rien très à sympa. Foutre. J'en ai rien à froufrou. Ouais, mais après, le jeu n'est pas censé Alors, trop non, le jeu n'est pas censé trop l'entendre, Framboise. On est censé plus nous entendre, nous, parce qu'après, quand tu vas faire le montage, tu vas nous dire « Oui, mais on vous entend pas assez, blablabla !» Ça marche. Et ça marche. Non, 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 un versus sur Smash Ultimate, c'est prévu. C'est prévu, c'est prévu. Ça va être bien. On va faire quelques épisodes spéciaux sur Smash Ultimate. On fera pas le mode aventure en entier. Attends, il se raconte quoi, là? Il arrive, ça c'est Chasseur et le faune, là. Et il y a Ripto qui a volé des trucs. Enfin, voilà, c'est le bordel dans leur monde. Il y a le portail qui menait là, voilà. Ripto, Gulp et son pote. Petite, voilà. Petit jeu PS1, petit on est bien. C'est lui le méchant? Ouais, Ripto. Crypto? Ripto. Et du coup, il peut plus rentrer dans son monde, lui? Non, parce qu'ils ont pété le portail. Le monde d'Avalar, voilà, je me souvenais plus du nom du monde. Et en fait, tout ce qu'il voulait, Spyro, c'était aller dans un endroit chaud où il fait beau. Ouais. Et du coup, il s'est fait baiser. Il s'est fait baiser. Mais du coup, ouais, t'as fini Spyro 1 il y a pas trop longtemps, toi. Attends, j'aimerais suivre la cinématique d'intro. C'est qui ce... Je comprends pas. Il faut qu'on se débarrasse de Ripto. Mais qu'est-ce qui est pas compréhensible? Mais t'es mignon, toi, c'est pas mon jeu d'enfance, j'aimerais bien savoir un minimum ce que c'est dedans. Ce qui se passe. Mais mets-moi dans une posture d'analyse. Dans une posture d'analyse, il se passe pas grand-chose dans cette cinématique. Hey, attends un peu. Dans quel pétrin on s'est encore fourré, mon vieux? Bonne question. Bonne voilà. question. Quelle était ta question, étagège? Ah, moi j'avais pas de question, moi juste t'as fini Spyro 1, à quoi tu t'attends en jouant à Spyro 2? Du mieux. Oui, y a, toi tu verras, il y en a. Ça pour le moment, je suis pas trop perdu, je sais qu'il faut récupérer des trucs. Voilà, là. Pour l'instant tu récupères les joyaux, tu fais les... Ah bah c'est bizarre, on est dans un autre monde, mais les joyaux c'est les mêmes, hein. Cette voix. Il avait cette voix là avant? Non. À quand la suite de Catherine en live? C'est quand la suite de Catherine en live? Quand ce sera Catherine Forever là. Catherine Full Body. Full Body. Hey buddy. Ouais, je vais reprendre. C'était un peu bête de commencer avec Catherine tout court. C'est vrai? Bah autant faire Catherine Full Body quoi. Ouais, mais Full Body il avait pas été annoncé quand t'as commencé Catherine tout court. Si. Ah bon? Si. Merde. Il a été annoncé au Japon, sorti au Japon, tout ça. Tutti Quanti. Tutti Quanti. Tutti Chocolaterie. Charlie. Et Charlie. Tutti Charlie. Tutti Charlie. Pourquoi il était un... Il y a des nouveaux récoltables, hein. Collectibles. Oui, il y a plusieurs types de collectibles. D'accord. Je savais pas. Ah! J'ai tombé, j'ai pas assez sauté. J'ai tombé. Oh, je l'ai raté, lui. Oui! Tu l'avais raté, il y en a un derrière. Ouais. Je suis pas obligé de tout récupérer, on s'en bat les couilles, non? C'est quand la suite de Earthbound en live? Eh ben... Je vais reprendre les lives. Non, moi, y'a pas de Ave Maria. Moi, je vais le finir, Earthbound. Y'a encore la sauvegarde, je l'ai récupéré, je l'ai oublié sur mon drive. Attends, parce que là, on... Je crois que ça a été le démarrage de let's play le plus mou du genou qu'on a jamais fait. Oui. Donc, il faut que... pour continuer sur cette lancée, y a un concours Instant Gaming.
Voilà, cliquez sur les liens. Oh putain. Voilà, comme ça, on est aussi sur l'annonce des concours Instant Gaming, la plus nulle de l'univers. C'est terrible. C'est le pire épisode 1 qu'on ait jamais tourné. C'est ouf. Mais ouais, mais toi, comment tu parles par-dessus les dialogues alors qu'ils sont super profonds et tout. Moi, j'ai fini pour la première fois de ma vie Spyro 1, c'était hier. T'as pas compris le scénario ? Bah non. Elle enregistre les progressions, ça veut dire qu'il n'y a plus de sauvegarde. Et il y a des tutos maintenant. Avant, il n'y avait pas besoin de tutos, mais maintenant, il y en a besoin. Oui, parce d'accord. que les enfants sont rétrospectivement devenus stupides. Il y a combien de temps qui sépare Spyro 1 et Spyro 2 ? Oh, pas tant de temps que ça. Pas tant de temps que ça. Je sais pas, des gens dans le chat sauront bien nous le dire, dans tous les cas, mais... Coucou, machin. Whisky. De gemmes sont trop petits pour monter sur ces échelles. Quand tu auras appris à grimper, reviens me voir. T'as des pouvoirs à débloquer maintenant. Ouais, enfin, un pouvoir pour grimper sur une échelle quand même. Et t'as la nage aussi. Ah, on peut nager ? Oui, mais c'est un pouvoir à débloquer. Ico, t'as essayé en live, mais c'est un jeu dont tu profites seul en live, ça passe mal. Quoi ? Ce sera sans gemme. De quoi il parle ? De quoi ? Comment ça, de quoi il parle ? Un let's play au Camille, type prévu. Ah ! Non, c'est pas prévu. Payer 100 gemmes pour ouvrir la porte. Ouais, pourquoi pas ? Spyro, c'est ça ? Tu peux désormais traverser le pont à tout moment. Ah, parce qu'il faut... Ok, maintenant les gemmes servent à quelque chose. Oui, maintenant les gemmes servent à quelque chose. C'est incroyable. C'est pas juste du scrolling. Non ! Maintenant ça sert ! C'est incroyable. Il y a une avancée, il y a un truc, il y a une implication. C'est vraiment dingue, hein. Et tu vas apprendre à détester Gripsou. Ouais, bah je me doute, oui, parce que je suppose que ça va être chiant si je veux pas faire le 100%. Non, t'as pas besoin de 100% des gemmes pour finir le jeu. Y a besoin d'un truc à absolument ? Non. Enfin, si. Si tu fais tous les mondes grosso merdo et que juste tu les fais frontalement, ça va passer. Voilà. D'accord. Ça me va. C'est une option qui m'intéresse. Cette ours représente les liens Instant Gaming. Cette ours représente les... Oui, c'est pour ça que j'ai commencé à bien l'aimer, parce que c'est moi. Voilà. C'est toi ? Bah, je suis icône commerciale du futur. Forcément, moi je suis vendeur. Vendeur avant tout. Vendeur avant tout. Je suis là pour faire du bis, tu vois. Du pognon, du vifton, du caramel. Du caramel, du. Comment je vais là-haut, moi ? En grimpant. Mais pour l'instant, le pouvoir de grimper, tu l'as pas. Oh, c'est nul. C'est toi qui es nul. Le pouvoir de grimper, quoi. D'où c'est un super pouvoir. Bah, quand t'es un dragon et que t'as pas de pouce opposable, c'est chaud quand même. Il a un pouce opposable. Ah putain, oui. Si on raconte. Oh, merci. Mais alors, oui, non, c'est le dragon qui est nul. Oui, si, Étagère va streamer sur Iconoblast Missile. Oui. Faudra qu'on vous en parle d'ailleurs. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il m'offre ? T'as besoin en fait du. C'est pas des gemmes dont t'as besoin pour la complétion du jeu, c'est du logo, enfin du logo, c'est du symbole des mondes. Et du coup, t'as juste à aller au portail de fin de monde et t'as le symbole. D'accord, donc là je peux aller dans un autre monde. Ouais, là tu peux aller dans un autre monde. Donc là je vais directement dans un autre monde. Ah, c'est comme plutôt ça. Que toi. Continuer. Non ? Bah, si tu veux, oui. Parce que là, je suis dans un niveau ou pas ? Oui, là, ou t'es dans un niveau, là. Ok. Le hub, il ressemble pas à ça. Je comprends pas. Et là, c'était quoi, du coup ? Comment ça, là, c'était quoi ? Bah, là, c'est la suite, entre guillemets, du niveau. Il y a des trucs à faire, il y a des choses à... Ok. Des collectibles, il y a un petit système de mission. Ah, c'est vraiment devenu un jeu, quoi. Incroyable. Mais t'es de mauvaise foi à propos de Spyro. Bah, bien sûr, j'ai fait un test dessus où j'ai dit que j'aimais bien. Ah. Ouais, mais évidemment, tu regardes pas ce que je fais. Hein. J'étais tout seul en plus. Chanteuse de R&B. On s'est rendu compte qu'on avait plus d'épisodes de tournée, et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tourné un épisode tout seul, une review tout seul. Waouh. Dans mon tout seul. Pourquoi je peux pas brûler le bois là ? Parce que le bois ne brûle pas. Tu arrêtes maintenant. Dans Spyro, ça brûle pas ? Non, mais même d'une manière générale, ça ne brûle pas. Ah bon ? Bah oui. On m'aurait menti. J'ai appris que mon ami est en fait Sayuri 638, je fais comment pour la gérer ? Comment gérer ton ami ? Frappe les deux lézards avec des pierres. Voilà, tu ramasses la pierre et tu la craches sur le lézard. Mais c'est une quête secondaire ? Oui ! Il y a ça maintenant ! Ouais, mais alors moi je veux ça, moi. Il va te falloir le pouvoir de papillonner pour l'avoir, celle-là. Oh, mais ne fais pas ta mauvaise tête ! J'ai l'impression de jouer à Metroid. Mais tu...
Mais ça doit être pour ça que j'adore ce jeu. Ça doit être pour ça. Ça doit être pour ça que j'adore Spyro 2. Ça y est, Étagère a compris un truc sur la vie. Ça y est, mais c'est comme toi avec Zelda. Tous les moments où t'avais pas de Zelda, tu cherchais des trucs qui ressemblent à Zelda. Et bah moi, tous les moments où j'avais pas Metroid, je cherchais Metroid. Puis t'es tombé sur Symphony of the Night. Tous les moments où j'avais pas Symphony of the Night, je cherchais Symphony of the Night. Voyons si tu peux atteindre ce lézard tout là-bas. C'est quand ton prochain sujet sur l'animation Étagère, vendredi. Tu vas faire sur quoi? Ponyo. Ah oui, c'est vrai. Faut que je le monte, j'avais juste pas de PC en fait. T'avais juste pas de PC? Bah non. Ah! Naké! Comment tu as fait? Je sais pas, je suis con. Waouh. J'aime bien la physique de Spirou. Oui! De Spirou. Spirou le hérisson. Spirou le hérisson. Moi je veux aller là, il me faut papillonner là, c'est ça? Oui! Pour l'instant, tu ne peux pas. D'accord, donc je vais bien viser, tu promis. Prends la truc, te paye sur... voilà. Je t'ai niqué. Ah, tu fais moins le malin, gros con, hein. Et du coup, voilà, le jeu est plus complet, plus agréable, plus tout, en fait. Il est plus mieux. Mais là, il va où, plus là, mieux. Reviens, idiot, là. Non, mais tu vas voir. Reviens, idiot, là. Oh! Reviens, idiot. Oh, reviens, là! Où il est le petit lézard? C'est vraiment un tuto en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais c'est un monstre. Il monte son cul. Bah oui, il te provoque les ennemis. Ouais, mais c'est pas sympa quand même, montrer son cul. On veut l'icône sur étagère. Vous voulez rien du tout. Vous n'exigez rien du tout, enfin! Mesdames et messieurs! Let's play sur Metroid, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Yep. J'aimerais beaucoup qu'étagère m'accompagne sur Metroid Prime. Ok. Ok. Bah c'est là, pas le Metroid que je connais le plus, mais ok. Bah, tu connais le plus lequel? Super Metroid. Ou Fusion sur GBA. Il est où l'autre? Il est là au... Ah, il bouge! Oui, il bouge! Bah non, il bouge plus. Il est mort. Le retour des cailloux. Yes! Ouais, yes! Team yes. Caillou! La Team Caillou! Team Caillou, le retour! Maqué! Où est-ce qu'il est? Faut que tu te repères au son aussi, en haut. Mais tu m'énerves! Bunza le tailleur de mes couilles! Bunza est le dernier dinosaure. C'est mon ami. Ça, j'avoue, je trouve ça drôle. Donne-moi un autre caillou. Non, c'est bon, il t'a donné un autre caillou. Donne-moi un autre caillou. Bon, on va attendre qu'il bouge là. Allez, bouge, gros con. Tu m'auras pas comme ça, FDP. Tu m'auras pas comme ça, le retour du caillou. Team Caillou! J'ai bien aimé Metroid Fusion sur GBA. Il était vraiment cool, hein, Metroid Fusion. Une fille avec des ailes l'a lâché ici hier. Ouais, t'as besoin de récupérer les orbes pour activer les portails qui te permettent d'aller dans les mondes. Tu sais ce qu'on a besoin aussi? Des fins d'épisode. Bisous tout doux.